bien, salut tout le monde, c'est Farage et on se retrouve pour l'épisode numéro 7, si je ne dis pas de bêtises, de cette aventure sur le canal sans férule. Alors, est-ce qu'il s'est réveillé maintenant, lui? Mais comment je suis censé le réveiller? Je comprends pas. Personne ne parle. Attendez, il y a un truc bizarre là. Ah, le prince est entre nos mains désormais, ne t'inquiète pas, nous en prenons soin. Je suis pas d'accord. Ah, c'est tout. C'est tout ce qu'il fallait faire. Il fallait quand même la baguette de plus, visiblement. Oh, des fantômes m'avaient jeté un sort. Merci de m'avoir sauvé. Tiens, pour te remercier, je te donne les palmes. Ah, il était temps. Ouais, je vais pouvoir nager maintenant, ça y est. C'est bon, j'ai tous les objets en bas. Voilà. Bah, je vais peut-être aller visiter la... Ah non, ça c'est le château là-haut. Alors attendez, on va peut-être aller y aller juste deux secondes pour dévoiler la map si on peut. On va y aller. On va y aller en nageant. Mais là, je vais prendre. On va y aller par là. Je suis censé y aller. Château. Ah, par la gauche. Par la gauche. Ok. Ça va être plus rapide comme ça. Le château est là. Comme ça, on aura le point de téléportation qui est prêt. Est-ce qu'il y a des trucs là au niveau du château? Si, là il y a un boss. Bah, il y avait un pion dedans. Étrange. Bon, en tout cas, il est censé y avoir un boss, tout ça par là. Donc, on va fouiller la zone. Je pense pas que ce soit lui le boss. Mais bon, on n'a jamais assez de rubis, c'est ça? Non, c'était pas lui, le boss était à gauche. Ok, alors. Le boss est à gauche, il doit être là, je pense. Ah oui, c'est bon. J'ai, il est là. Un super grappin, on va bien. Mais le super grappin, donc j'imagine qu'il va plus loin et peut étourdir davantage les ennemis. Bon, bah cool. Ah oui, bah il est plus rapide aussi. Ok, parfait. Et donc le reste, c'est le château. Je peux peut-être avancer pour débloquer la carte. Mais voilà, c'est bloqué ici. Ok, donc là, on a fait 100% de la carte. Donc du coup, on n'a plus qu'à aller... Il y a toujours ce carte de cœur qui m'intrigue quand même. Je sais pas comment on le récupère, hein. C'est fou ça. Il n'y a plus qu'à aller donc à la montagne de la mort. Alors maintenant que tu peux nager, allons-y. Ah, je peux attaquer même dans l'eau. Ah ouais. Pas tomber. Oh,
Ouais. Ça commence bien, tiens. Je suis censé passer comment? J'ai pas d'item. Il manque quand même sans objet. J'ai pas d'item qui me. Parce que la plume me permet de sauter, mais pas de deux cases. Donc. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça. Il faut un anneau. Ouais, c'est dommage. Il faut des bottes, il faut des rubans. Des bottes parce que j'en ai pas. Ah non, il me les a donné. Ah, il me les a donné, d'accord. J'ai pas vu si c'était, mais ok. Je crois que le grappin, je pensais qu'il pouvait mettre ça de pas toucher. En fait, il sert pas à toucher le grappin. Je suis censé passer dans ce cas-là. Avec les bottes désert, je poserai pas la question. Là, on ne peut pas aller ici, donc c'est forcément par là qu'on arrive dans cette zone, à moins que là, peut-être. Attendez. Si je vais là. Ah ouais, mais là, ce sera un raccourci, vous voyez là-haut. Ce sera un raccourci. Ok. Dans ce cas-là. Ah, attendez. Ça. Ah ah. Et là, raccourci. Ok, là si je descends. J'ai fait une bêtise. Viens là toi. J'ai fait une bêtise. Oh, c'est tout qui reste dans l'eau, vraiment. Il se réinitialise pas. Placé à gauche pour passer, mais voilà. Alors l'idée là c'est d'essayer d'éliminer un peu. On va faire comme pour la Kia et se faire passer. Je prends. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors là j'ai tout fait. Tout à gauche il y a un boss et un coffre. Alors par contre, moi j'ai tué les ennemis, donc s'ils repopent à chaque fois, ça va être pénible pour le déplacement dans cette zone. Vous pouvez traverser, trouver l'interrupteur pour lever le pont, pour la déplacer, les enfants. Garde ma lance. Imaginez là, si je perds, si je meurs, je perds toutes mes armes, tous mes trucs. Va falloir que je trouve des fermes. Donc là où je suis, il y a. Non, là, il y a un quart de cœur là. Parce qu'il est le quart de
Batman. On se calme. Parce que là, j'ai pas beaucoup de cœur avec moi. Rassuré, bah écoute, je prends de toute façon mon arme personnelle pour détruire. Là. Là. Là, je ne peux pas revenir en arrière. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas de. Pas des ennemis, mais des. Trucs cachés, vous voyez, tout derrière qui s'est fait. Ok, c'est le donjon là ? Il y a censé y avoir un coffre par là. Hein. Il est censé y avoir un coffre. Mais un coffre. Je vais continuer de chercher parce que si c'est censé avoir un coffre, autant essayer de le récupérer. Étourdir de plus grands ennemis et venir à bout des plus petits. D'accord. Non, c'est du poison ça. Pas là-dedans. Ok, donc si je comprends bien, on va dans le temple. J'aimerais bien quand même trouver des feux. J'ai presque envie de revenir dans le temple des tempêtes. J'ai presque envie de revenir dans l'ancien. Ancien donjon, c'était le numéro 2, je crois, où il y avait des fées. Alors, oui. Ça me fait pas m'envoler, ça? Bah. Ah, j'ai les bottes lourdes. Voilà. Tac. Oui, effectivement, les bottes lourdes, c'est pas... pas très intéressant pour ce niveau. Alors. Pas que moi qui tombe dans le trou, les ennemis aussi, c'est bien. Boutique moins chère, c'est mieux que discrétion assurée. Hop, hop. Hop, bordel, ça fait. C'était. On va y aller à la bombe. Classique, elle est où? Voilà, et tout ça pour augmenter les dégâts d'armes. Très bien, et
La baguette de glace, je vous l'avais prédit. Oui, et je peux aller de l'autre côté maintenant. Armure plus 0,5, je prends. Donc par là, pour la grande clé et le boss. Et après, il n'y aura plus qu'à aller affronter Octavio. Ah, mais la rapière c'est pas pour moi, ça doit être pour Zelda ou pour ouais, donc ça doit être pour Zelda ou j'allais dire pour Cadence, mais je pense que c'est...
ce truc, ça fait que ça se déclenche tout seul. Donc c'est pas du tout ça qu'il faut que j'utilise. Comment je suis censé passer là? Tu n'abandonnes donc jamais. Je fais ça pour ton bien, tu sais. Penses-tu vraiment pouvoir affronter Ganon sans une armée pour t'épauler? Mon quatrième virtuose va te redonner le sens des réalités. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un... qu'ils ont rajouté un... une partie où on le contrôle lui. En fait, il fait ça pour affronter Ganon, j'imagine. Que le pouvoir de la foudre électrifie les lames de mon Glockenspiel. J'appelle ça un xylophone, moi, mais... Glockenspiel, si tu veux. Oh, bordel. Mais break. A Link to the Past, c'était pareil. Ryokenspiel. Ah bah oui, non, alors moi l'objectif c'était pas de la détacher, c'était de la... pas de la détacher, c'était de la... Je voulais que tu t'arrêtes de télécharger, peut-être. Voilà. Ça va, il est plus gérable. Là, on détruit les têtes. Et le corps aussi. Bah, les têtes, on s'en fout. D'accord, ok. Là-bas, Ryokenspiel. On n'oublie pas le cœur. Et là, il me manque combien de cartes de cœur? Il me manque 3. Donc, un, on sait où il est. Les deux autres sont peut-être dans le château d'Hyrule, alors. Vous avez obtenu le Glockenspiel, vous sentez une puissante force magique en émaner. Vous en aurez sans doute besoin pour affronter Octavo. Bah oui, maintenant je vais pouvoir rentrer dans le château d'Hyrule. Tu as réussi, tu as vaincu les 4 virtuoses d'Octavo. À présent, rendons-nous au château d'Hyrule pour en finir une bonne fois pour toutes. Bah justement, il y a quand même un truc qui m'intrigue, moi c'est que il me manque un quart de cœur ici. Et après il m'en manque 2 autres, mais je vois pas où est-ce qu'ils sont les 2 autres. Donc est-ce que je les ai loupés? Est-ce qu'ils sont... Ah si, il y a celui-là que j'ai pas fait je crois. Non, c'est celui au village Cocorico que j'ai pas eu. Parce qu'il faut gagner le tir à l'arc. Là c'était le missile dédieu, je crois que j'ai réussi. Et il m'en manque encore un, donc qui peut-être est du coup là. Sachant qu'au niveau des objets, il doit me manquer un flacon ici. Ça doit être le flacon qui était dans un magasin à vendre que j'ai pas acheté. Et là, je sais pas ce que c'est l'objet qui me manque. Ok. Bon, bah écoutez, on verra ça dans le prochain épisode. On ira peut-être essayer de récupérer ce qui nous manque. Histoire de run tout ça au max. Et après, on ira au château d'Hyrule. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Et lâchez un max de pouces bleus. Salut tout le monde.